Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça faisait longtemps qu'on s'est plus vu. Alors, vidéo un peu spéciale, voilà, c'est une vidéo qui est un peu hors du commun, qui n'est pas vraiment des vidéos que je fais au quotidien. C'est une vidéo vlog, voilà, où je vais aller en voyage scolaire avec mes camarades et on a été en Bourgogne, du coup, une région en France. Aussi, la map juste ici, voilà, Bourgogne, elle est en rouge. Et j'ai fait les vlogs là-bas, du coup j'ai fait des petites séquences, j'ai filmé et j'ai fait des montages. Et là je suis en train de vous expliquer mon aventure à Bourgogne, voilà je suis déjà revenu. Donc on est parti le 4 mai à 6h du matin, le mercredi 4 mai 2022. Et on est revenu le 6 mai 2022. Et là je suis revenu, voilà, là on est dimanche actuellement. Là du coup je suis en train de tourner, voilà. Et après cette séquence, je vous mettrai la vidéo que j'ai tournée en Bourgogne. J'ai pris énormément de temps hein, pour faire la première partie. N'imaginez même pas la deuxième et la troisième que j'ai même pas encore tournée. Voilà, je vais vous dire, j'ai déjà tourné, mais je vais vous dire, j'ai même pas encore fait les montages. Mais ça, c'est pas pour ça que vous devez attendre une ou deux semaines. Voilà, ça va arriver très vite. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup pris du temps sur le premier. Voilà, pour les bandes son. Parce qu'en plus j'ai pris beaucoup de séquences, beaucoup de scènes, du coup bah j'ai passé des heures dessus, voilà, pour mettre des sons, des bruitages, voilà quoi. Et j'espère que vous allez remarquer qu'il y aura beaucoup de travail dans la vidéo. Alors la vidéo dure, je sais plus, je me souviens plus, dure au moins 22 minutes et demie, un truc comme ça. Alors voilà, du coup, ben, je pense que c'est déjà assez long comme ça, mais c'est le max que je pouvais faire. Alors il y aura 3 vidéos sur voyage de Bourgogne, la première partie, du coup jour 1, deuxième partie jour 2, et troisième partie dernier jour et troisième jour, voilà. Du coup, il y aura 3 vidéos, voilà. Les deux autres parties vont arriver très vite. Ça, c'est la partie 1. Ça va arriver très très vite. Et j'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche. Mettez des pouces bleus. Partagez la vidéo et commentez. Et le plus important, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Bon visionnage! Eh bien, bonjour tout le monde. Là, c'est le matin et il est actuellement 5h16 du matin. Et franchement, j'ai la tête dans le cul. Voilà, franchement. J'ai pas fait une manche ni rien. J'ai vraiment bien dormi, mais voilà. Quand je me réveille, j'ai toujours la tête dans le cul. Là, du coup, là, je vais mettre mon pull et je vais aller déjeuner. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, là, j'ai mis mon pull et je suis en train de nettoyer mes lunettes. Alors au début je voulais me réveiller à 5h30, mais le temps que je déjeune et que je m'habille et que j'aille là-bas, voilà, en plus j'habite à 20 km de la ville, ben c'est un peu chaud quand même, en plus qu'il faut arriver là-bas à 6h moins quart, voilà c'est chaud, du coup autant réveiller plus tôt, voilà, comme à cette heure-ci par exemple, comme ça on arrivera plus tôt, voilà, tout simplement. Sachant que le bus il part à 6h, si on n'arrive pas à temps, on n'ira pas en Bourgogne, voilà. Allez, c'est parti. Ça va? Oh, yo, tu veux que je me regarde? Aïe, 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 aïe. Vas-y, mets-toi sur le côté de nous, non?
On est actuellement dans le car, ça va démarrer. Les caméras, les caméras. J'ai aussi pris deux masques au cas où, voilà. Voilà, on est actuellement dans le car et j'ai ma sacoche avec moi. J'ai aussi mon écouteur, voilà, si jamais je vais écouter de la musique. Mec. Faut être là version version pomme, c'est ça hein? Ouais, c'est version pomme. Version pomme, ouais. J'ai ouvert la boîte, on va manger. Moi j'ai à l'orange. Ouais, et moi j'ai à la pomme, voilà. Moi j'avais une frangipane. Frangipane, ouais, trop. Organisation 3, 2, 1. Oh, mec, là je suis trop chaud. C'est hardcore. Moi, ouais, attends, je connais. Ah, j'ai vu. Oh, mec, j'ai une émote. Regarde, j'ai une émote. Par contre, c'est bon, hein. C'est bon. C'est mal émote. Très bon, mais ça pique très bon. Dans la dent. Dégustation de. Du coup, plus le faucheur, parce que, moi, mec, le faucheur, j'arrive peu. 3. Ça, genre, il y a 50% comme ça. Ouais. Toi, t'as mis quoi, les gars? Incroyable. Merci, Loïs. T'as bien dormi, Martin? On va aller dans la pompe chercher un petit truc. Et on va aller aussi à la toilette, voilà. On fait une pause pendant une demi-heure et après on repart à 9h35. Voilà. Ah, Lilian? Ouais, ça va. Ouais. Du coup, là, on fait un escale de une demi-heure. On repart à 9h35. Ouais. Là, on est à la station. On est dans un petit supermarché en train d'acheter des trucs. Wesh la street. Wesh la cité, la cité. Là, on est en train de boire, on est en train de prendre un petit truc là. Vas-y, j'ai trop le seum là. C'est pas la chorus, c'est Power Aid, je sais pas quoi. C'est honteux. Eh, c'est de la contrefaçon ça. Et ici, nous avons des Sprite. Ça vous donne, on y boit du Sprite, ça mec. Et Martin, c'est quoi pour un goût de coca ça? C'est chéri. Les granola, qui aiment les granola ici? Ici on est dans les rayons des biscuits, on a lu. Il y a même un Oreo Batman.
Oh, The Batman. Batman. Apparemment, tu peux gagner une Batmobile. Sérieux? Ouais. Voilà, du coup, là, on est à la pompe, on fait pause toilette. On reste un peu ici pour une demi-heure, on repart à 9h35. Si on part pas à temps, ben, on part sans le car, on ira pas en Bourgogne. Du coup, en attendant, j'ai acheté un bonbon Haribo au Coca et. C'est pas du Haribo, ça, c'est du Powerade. C'est de la contrefaçon, ça. Bon, je vais déguster. C'est ce bonbon. Et puis il y a Fanny qui a dit son mal. C'est bon. Et ce bonbon. Ce bonbon, je pense que. C'est super bon. On retourne dans le car. Il est déjà 35. Venez, les gars. Voilà, on est dans le car, on est reparti pour quelques heures de trajet jusqu'à midi. Avec mon power ride. Le moral de waouh, c'est sexy. Donc, voilà les potes, on est encore dans le car, ça fait très longtemps avec Loï. On s'ennuie un peu, mais c'est pas grave. On est bientôt arrivé. On a tout de suite pour la découverte de l'auberge. C'est bon, on est arrivé. On est arrivé du coup à Beaune, on va aller faire un petit pique-nique. Voilà, moi j'ai pris mon Dagobert. Voilà, on est bien installé dans un coin et on va manger notre repas. Voilà, ici c'est mon Dagobert. Bon appétit à tous. Emballé dans l'aluminium. Je vais manger. J'ai aussi le deuxième Dagobert au poulet curry. Et moi j'attends. Antoine, non. Tu manges pas? Mais non. Ah. Oh bah ok alors. Le tout dernier bout. Voilà, c'est tout dernier. Ça a pris très longtemps pour manger. Oh ouais. On est actuellement devant l'hôtel de 1443. Ouais. Je vais vous montrer tout de suite le bâtiment. Voilà. Voilà, c'est très grand. Alors ça m'étonne qu'il n'y a pas les piliers là, je sais pas comment ça tient. Ben voilà, c'est très beau. C'est dans le mur, on va devoir faire un métal. Ouais, je pense. Ben, c'est très beau, hein. Ouais. C'est très vieux aussi. Ouais. Du coup, là, les gens, on est en train de visiter l'hospice de Beaune, qui est juste derrière moi. Ils nous ont donné une sorte de flyers, voilà, qui nous montre à l'intérieur de l'ancien hôtel. Tout simplement. Voilà, on nous a donné ça quand on est rentré. Et voici l'hospice de Beaune. Waouh, c'est magnifique. C'est juste magnifique, voilà. Tout est en colombage. Bon, bah. On est sorti de la musée, là on est en PLS. Je suis presque à court d'eau. C'était un peu moyen on va dire, mais ouais. C'était intéressant quand même. Je suis même pas assis, voilà, on est resté debout pendant 1h30. Ouais, voilà, j'ai mal à la jambe mais j'ai mal au dos. Je suis en PLS. Maintenant, je pense qu'on va aller visiter Autun, ouais. La ville. Et après je crois qu'on va aller à l'auberge. À l'auberge et on va enfin pouvoir se poser. Ah ouais, ouais. Je suis quand même bien très chagal. Ouais, plus d'eau, voilà, plus d'eau. Je remplirai demain matin. Je vais vous montrer un peu la ville, voilà comment ça ressemble si je vous ai jamais été à Bourgogne. Les gars, on quitte l'hospice de Beaune et on va aller maintenant voir la moutarderie. À Dijon. Ouais, voilà, c'est parti. Pour la suite du vlog, là on est dans la moutarderie de Dijon. Voilà, on est dans la moutarderie. Et il y a certaines personnes qui ont goûté la moutarde et ils ont dit que c'était très spécial, voilà. Voilà, les graines de moutarde, voilà. Dégustation. Ça a pas l'air très appétissant comme ça, mais en soi c'est bon. Vas-y, goûte la moutarde. Vas-y, goûte. Attention. Au début, t'as pas trop de goût, mais j'aime bien. Faut vraiment bien lâcher pendant au moins une vingtaine de secondes.
Donc voilà les vins que j'ai réussi à avoir deux pots de moutarde, voilà. Tout le monde en a eu d'ailleurs. C'est vraiment cool, voilà. Alors tu sais, si pas de moutarde et tout, je vais les donner à mes parents, voilà. Bon bah salut les gars, on est dans la petite ruelle de... C'est quoi déjà? Autune, voilà. Et du coup là on est éparpillé en plusieurs groupes de 4 ou de 5-6 personnes pour aller acheter des trucs. Regardez moi ce type, il est en train de manger ses glaces là. Je suis en train de chercher des boissons parce que là j'ai vraiment soif, j'ai plus d'eau. Ma gourde est vide, tout simplement. Et j'ai bu tout mon Aquarius, voilà. Même si je sais pas si c'est un Aquarius, mais c'est un truc dans ce genre, voilà. Alors malheureusement j'ai pas réussi à tout le filmer quand j'étais en train de manger des glaces. Parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Du coup j'ai dû le recharger avec le câble du Huawei de quelqu'un d'autre. Et du coup là on se dirige vers l'auberge. D'abord on va aller en car, voilà, tout simplement. Et du coup c'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite des vlogs. Là on va rentrer dans le bus pour repartir à l'auberge. Du coup là on se dirige vers le car et on va aller à l'auberge tout de suite. Ouais. Du coup voilà, le car a démarré. Et maintenant on est en direction vers l'auberge de jeunesse. Et on va aller voir notre chambre, et sachant que c'est 5 personnes par chambre, voilà, du coup bah, on va aller voir tout de suite. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me. On est arrivé. On va aller maintenant dans notre auberge, tout simplement. Du coup, le bus est en train de se garer sur un parking. Là, du coup, bah, l'auberge est juste derrière moi. Alors, le tour des gays. Moi, j'aime pas les gays. Du coup, voilà, j'ai ma valise. Du coup, voilà, on va aller dans notre chambre pour aller déposer notre valise et aller manger au restaurant après. Attends. Non, ça va. Allez, viens. Attends, viens, voilà, il y a l'homme. Ouais, j'avoue, l'œil, on l'a. Oh, moi, je me mets là. Du coup, voici notre chambre, voilà. Moi, je prends le lit. Je savais que ça allait être un lit superposé. Mais non, il y a quel lit, il y a un facile. Vous en avez trois, vous êtes deux. Du coup, ici, nous avons la toilette et une douche juste ici. Nous avons deux lits superposés, voilà, et nous avons deux lits superposés et encore deux lits superposés, voilà. Ici on a deux chaises et une table, on a ici une garde-robe, voilà. C'est petit mais c'est efficace, voilà. Ainsi du coup là on va manger, j'ai pris un plateau, j'ai pris un dessert, j'ai pris les couverts et tout, j'ai pris un verre d'eau, voilà. J'ai même pris un kiri, voilà. Ouais, voilà, on a fini de manger, on a remis les plateaux à la cuisine. Là on a la cruche d'eau, voilà, qu'on n'a pas encore terminé. Là j'ai vraiment fort, il y avait plus d'eau dans ma gourde. Du coup là on est dans la salle à manger, il y a les trois petits devant, voilà. Là du coup on attend de sortir pour aller marcher, quoi, voilà. Et c'était très bon, hein. Le fish stick était excellent. Du coup là on est sorti de la salle à manger. Maintenant on va se diriger dans notre chambre pour aller nous habiller, pour aller marcher encore une fois dehors. Alors c'est le bouton météorologique. Il va faire dégueulasse. Du coup là je vais ouvrir ma valise. Ouais mec. Je vais tout de suite l'ouvrir ici, il y a une direct du coup. Moi ici j'en ai deux, mais ça c'est beaucoup. Voilà, comme ça. Et ici,
Nous avons tout, 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 tout. J'ai tout préparé parce qu'en fait, on avait des listings de toutes les affaires qu'on devait prendre pour aller en Bourgogne. Du coup, j'ai un peu lu pour prendre tout ça, voilà. J'ai pris tout ce qu'il faut pour aller faire des VTT, dormir et les tortifrices, voilà. Là il est 9h15 et là on s'apprête à sortir du bâtiment pour aller se promener. Visiter l'ancienne porte de Autun. Il y a un temple romain. Oui, voilà. On peut apercevoir par là-bas. Oui. Attends, je vous montre le visuel. Et on est bien là. Ah ouais, on est très bien. On est bientôt arrivé là, on va aller visiter le monument tout de suite là. Ah, tu connais le programme. Et c'est quand qu'on rentre? Pas maintenant. Vas-y. Là, et c'est quand qu'on rentre aux jambes? Je sais pas. Demain, alors. Nani? Ça, c'est une des anciennes portes. Wow, Champs-Élysées! C'est magnifique! C'est juste magnifique! Là les gens retournent dans notre auberge, je veux dire notre appartement parce que ça ressemble plus à un appartement, je dirais plutôt un hôpital psychiatrique qu'un appartement. Ouais, c'est vrai. Actuellement 22h11. Voilà. Là, vous voyez à l'envers. Mais... Voilà. Et du coup, on va aller dormir, on va aller brosser les dents. Certains d'entre nous vont aller prendre une douche. Moi, je vais pas les prendre, je les prendrai demain soir. Demain soir? Ouais. Parce que demain, ce sera une longue journée. Voilà, j'ai pris VTT. Voilà, ça va charbonner les dents. Ça va bien transpirer. Tu vas bien charbonner l'œil. Voilà, je vais bien charbonner. Voilà, du coup, moi, je dors juste. Là-haut, voilà, juste là-haut. Je prends mes chaussettes là. Ouais. Ouais, voilà. Ah, ça va bien puer. Ça, voilà. Du coup, ben, on se retrouve demain matin. Et voilà, je vous dis à plus. Bonne nuit. Du coup, en fait, vu que j'ai peur que le vlog dure trop longtemps, j'avais divisé le vlog en trois parties, vu qu'on reste 3 jours en Bourgogne. Genre, premier jour, première vidéo. Deuxième jour, deuxième vidéo. Et troisième jour, ben. Troisième vidéo, voilà, du coup il y aura 3 vidéos sur mon vlog à Bourgogne. J'ai un néon. Do you know the way? On s'en fout. Ouais. Du coup voilà. Du coup c'est la fin de la première vidéo. Du coup je vous dis au revoir et on se retrouvera pour la prochaine. Du coup la deuxième partie. Qui sera peut-être meilleure. Ouais. Qui aura VTT. T'as pris des trucs pour. Bah attends, on va pas spoiler. Ouais. Bon je vais pas vous spoiler. Et du coup on se retrouvera pour la deuxième partie. Du coup J'ai encore un néon. Ouais. Du coup, à plus.
ça me donne faim de ta coup. Sur mon chips. Ouais, j'avoue, paprika c'est le meilleur.